Voici ce que vous devez savoir concernant les appareils de micromobilité en Ontario. Les appareils de transport personnel à basse vitesse et à petites roues gagnent en popularité en Ontario. Qu'ils soient propulsés par la force musculaire ou l'électricité, ces appareils, aussi appelés appareils de micromobilité, offrent un moyen pratique de se déplacer. Ces nouveaux modes de transport permettent de réduire la congestion routière et de se déplacer dans la collectivité. Les appareils de micromobilité diffèrent des appareils d'aide à la mobilité personnelle qui sont conçus pour aider les personnes limitées par leur état de santé ou une déficience fonctionnelle. Avant d'utiliser une trottinette électrique, vérifiez toujours si la municipalité autorise son utilisation dans la zone où vous vous trouvez. Il est de la responsabilité de l'utilisateur, de l'entreprise de trottinette électrique et de la municipalité de s'assurer que les exigences relatives au véhicule et à l'utilisateur sont respectées. Pour les trottinettes électriques, les utilisateurs doivent être âgés de 16 ans ou plus. Aucun passager ni charge n'est permis. Aucune pédale ni aucun siège n'est autorisé. Et la trottinette doit avoir deux roues et des freins. La vitesse maximale permise est de 24 km/h et le poids maximal est de 45 kg. Pour la liste complète des exigences, consultez le règlement de l'Ontario 389-19 et vérifiez toujours les règlements municipaux où vous prévoyez d'utiliser l'appareil. Comme les bicyclettes, toutes les règles du Code de la route s'appliquent aux trottinettes électriques. Soyez un utilisateur responsable et soucieux de la sécurité. N'utilisez jamais une trottinette lorsque vos facultés sont affaiblies par la drogue ou l'alcool. Ne circulez pas sur les trottoirs si les règlements municipaux l'interdisent. Respectez les panneaux de signalisation et les feux de circulation. Assurez-vous que votre trottinette est munie des feux requis et d'une sonnette ou d'un klaxon pour que les autres vous voient ou vous entendent. Et si vous avez moins de 18 ans, n'oubliez pas que vous devez porter un casque. Si vous envisagez de vous procurer un appareil de micromobilité pour vous déplacer, n'oubliez pas de vérifier les exigences de sécurité et d'utilisation, y compris les règlements, avant de l'utiliser. Informez-vous avant de partir et faites de chaque trajet un trajet sécuritaire. Pour en savoir plus, consultez le site ontario.ca/trottinettes électriques au pluriel.